Si, dans ton garage, tu vois les parpaings comme ça? Oh, c'est super dégueulasse. Allez, je te montre la solution pour cacher tout ça. Alors, pour faire cette opération, tu vois, je suis en train de cacher le parpaing. Tu as besoin d'une taloche, d'une truelle et de l'enduit de chez Farex Lanco qui est juste en dessous là. Voilà. Donc, tu vois, moi, je le fais relativement fluide comme ça. Et ça permet après de cacher ton joli parpaing. Donc, tu mets sur ta taloche la valeur d'une truelle comme ça. Tu viens la plaquer à peu près à 30 cm en dessous de ton enduit qui est déjà frais. Et après, avec ta truelle, tu vois, tu viens pousser et remonter. Pousser. Alors, jusqu'à boucher les petits trous, tu vois, comme ça là, tu vois, il y a un petit trou, ben tu lisses jusqu'à ce que tu vois plus, tu vois. Ça sert à rien qu'il y ait une grosse quantité, juste une petite quantité, ça suffit. Et tu prends, tu vois, une petite lisseuse à main comme ça. Ça permet d'avoir des tas de surface propres, comme ça, quand tu vas venir talocher, et ben ça va se faire tout seul. Et tu prends un seau d'eau avec un petit talochon comme ça en polystyrène. Donc c'est quand même plus joli ça. Que ça, t'es d'accord avec moi? Allez, tchuss!